pris le temps d'écraser et de plier ces cartons chez toi, ils auraient pris moins de place dans ta voiture et moins de place dans le conteneur. Oui. Freddy. Je m'écrase. Je préfère ça. En Recyparc, ça n'est pas une grande poubelle où l'on dépose tout et n'importe quoi. Et surtout pas n'importe comment. Sur la route, on veillera à bâcher sa remorque pour que le contenu ne se répande pas dans la rue. Pour que tout le monde gagne du temps, le tri doit se faire à domicile et pas à la va-vite au Recyparc même en encombrant la circulation. N'oubliez pas, le personnel est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et tout comme les ordures, les propos orduriers sont évidemment à proscrire. Oh là 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 là, non, 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 oh Freddy, non, 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 Freddy, non, non, hein? Non. C'est pas parce que c'est encombrant que ça se dépose ici, hein. Ah bon? Ah non, non, ça avec les gros électroménagers. Ah, oh, d'accord. Mais tu sais, si tu hésites, Freddy, tu t'adresses à un préposé ou tu regardes les totems devant les conteneurs? Ah oui, ok, d'accord. C'est vrai que parfois, il faut déménager ses efforts pour ménager l'environnement. Voilà, c'est ça. Je déménage. C'est bien. Merci, Freddy. Au revoir. Thank you.